publicly, that man did a record with a girl that raped my girl that he liked as well, right? Right. And then went on a tour with him. You can't tell me Jada see a 14-year-old girl come in the studio and shit on R. Kelly's rap. No. He's smarter. He's patient. Sean Carter is worse. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler de Jay-Z. La semaine dernière c'était P. Diddy, merci d'ailleurs pour ceux qui m'ont envoyé un message, le timing était assez incroyable, j'avoue. On parlera des perquisitions chez Diddy dans l'actu du mois mercredi prochain, mais en faisant donc toutes mes recherches sur Diddy, j'ai quand même vu le nom de Jay-Z ressortir pas mal de fois. Si on écoute un petit peu ce que plusieurs artistes disent, hein, outre-Atlantique, celui qui tombera bientôt, ce sera Diddy, et le prochain sera Jay-Z. Pourquoi ? Je tiens d'ores et déjà à préciser que ce ne sont que des spéculations, des allégations. Tout ce que je vais vous rapporter, gardez bien en tête que ce sont uniquement des sources qui l'ont dit. Je précise parce que des fois, on a tendance à déformer ce que je dis. C'est pas moi qui le dis, en fait. C'est toutes les sources que j'ai rassemblées. Donc, petit disclaimer quand même que je voulais préciser. Donc, pourquoi on parle autant de Jay-Z, même 50 Cent a posté sur les réseaux où te caches-tu, voilà. Alors, déjà, un petit, vite fait, tout petit portrait de Jay-Z. De son vrai nom, Sean Corey Carter est né le 4 décembre 1969. Même si, à ce qui paraît, c'est discutable, il serait plus vieux. Bref, parenthèse, il est donc né à New York et il est l'un des artistes hip-hop les plus rentables aux États-Unis. Au-delà du rap, c'est également un homme d'affaires. Il est actionnaire d'un club, le 4040 Club. Il a également une marque de vêtements Rockaware, une marque de champagne Armand de Brignac, et surtout en termes de label, il était président du label Def Jam Records. Il était également le cofondateur de Rockefeller Records. Justement, le label Rockefeller, il l'a créé avec son ami Damon Dash et également un certain Burke, parce que, en fait, à cette époque-là, personne ne voulait signer Jay-Z. Dame Dash, comme on l'appelle. Il avait déjà un sens aiguisé des affaires, donc il a dit bah, écoute, on va créer nous-mêmes notre label et on va donc nous-mêmes faire tes disques. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fondé Rockefeller Records en 1995 et on va en parler après, mais il y a eu des frictions entre les deux hommes. Le 3 janvier 2005, le label est racheté par Def Jam, du coup Jay-Z devient également le président de Def Jam, et là plus récemment, depuis 2015, il est également le propriétaire d'un logiciel de streaming musical qui s'appelle Tidal, qui est censé aider les artistes à avoir leurs royalties, etc. Si on parle de sport, eh bien il était propriétaire des Nets de Brooklyn, mais il a revendu ses parts en 2013, et la même année il a donc fondé Rock Nation Sports pour manager et gérer les intérêts de grands sportifs. Selon le magazine Forbes, il serait à la tête d'une fortune $1 milliard. Mais avant cette ruée vers l'or, d'où vient Jay-Z ? Il a été élevé seul par sa mère, Gloria Carter, avec ses 3 frères et sœurs. Il a fait des études, mais il n'a jamais obtenu son diplôme. Il avait pour camarades de classe Notorious B.I.G. et Busta Rhymes, pour la petite anecdote. Pourtant, enfance très compliquée. Et si on parle un petit peu du caractère de Jay-Z, à dire que c'est quelqu'un de très sage, un businessman très posé, oui peut-être, mais peut-être pas, parce que quand on regarde son passé, il y a quand même des choses où on voit qu'il était très très sanguin, et ce dès très jeune, à l'âge de 12 ans par exemple, eh bien il a tiré sur son frère Eric, parce que ce dernier lui avait volé quelques bijoux. Alors son frère Eric était accro au crack. Il avait donc volé des bijoux. Bon, ça devait pas être des bijoux très chers, mais bon, on va dire pour le principe. Et Jay-Z était se procurer une arme et il a tiré sur son frère. Il en a parlé dans une interview, voici ce qu'il a déclaré. « Je suis allé chez quelqu'un et j'ai récupéré l'arme. Les armes étaient partout. Il n'était pas nécessaire d'aller bien loin pour s'en procurer une, c'était juste partout. » Donc il a tiré sur son frère, il ne l'a pas tué, hein, je vous rassure, encore heureux. Il pensait donc qu'il irait en prison, mais son frère a refusé de porter plainte et il s'est même excusé. Bah, tout simplement parce que oui, il était addict, donc ceci explique cela. Alors même s'il s'est emporté, on va dire ça comme ça, auprès de son frère parce que ce dernier donc était accro au crack,
Pour autant, il a quand même fait du business là-dedans. Ça, il ne s'en cache pas. Il est un ancien trafiquant. Pendant toute son adolescence, il a dealé donc du C. Et justement, il en a parlé dans une interview à Vanity Fair. Le C était partout. C'était inévitable. Il n'y avait aucun endroit où aller pour s'isoler ou faire une pause. Vous êtes dans le couloir. Il y a des crackheads dans le couloir. Vous regardez les flaques d'eau sur les trottoirs. Vous voyez plein de flacons de C partout. Donc, il précise que bien qu'il en ait vendu, il n'y a jamais touché. Il n'en a pas consommé. Mais ça a été quand même une bonne école pour lui parce qu'il dit que justement, les premières pratiques commerciales en fait qu'il a acquises, c'était en faisant ça et que ça lui a servi justement pour plus tard. Je connais les budgets. J'étais un trafiquant de voilà. Pour participer à ce genre de trafic, vous devez savoir ce que vous pouvez dépenser, ce dont vous avez besoin pour recharger. Voilà, donc ça lui a quand même appris les bases, on comprend. Mais en 99, on va quand même noter à nouveau un événement qui montre que Jay-Z est quand même très sanguin. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de sortir Hard Knock Life, qui est l'album le plus vendu de sa carrière. Du coup, il décide d'enchaîner avec un nouvel opus, Volume 3, Life and Times of Carter. Cet album était prévu pour le 28 décembre 99 et il comptait même dessus pour le sacré roi du rap. Notorious B.I.G. était déjà décédé. Malheureusement, alors à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les sites de streaming, tout ça, mais l'album a quand même fuité. Donc comment il a fuité? Eh bien tout simplement, il fallait forcément que quelqu'un qui travaille là où on fabrique le disque, quoi, le donne à quelqu'un. Pour que ça fuite et que ça fasse donc le tour des disquaires, des maisons de radio, etc. Et ça, ça s'est produit un mois avant la sortie officielle. Du coup, ça a cassé, en fait, la sortie de cet album et tout le buzz qu'il y avait autour. On ne savait pas exactement qui avait fait fuiter l'album, mais il y avait quand même pas mal de rumeurs pointant du doigt un producteur qui s'appelle Lance Rivera. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, Lance ainsi que Jay-Z sont conviés à une soirée. C'était la soirée d'écoute de l'album Amplified de Q-Tip. C'était au Kit Kat Club à Manhattan. Donc il y a eu un petit showcase, etc. Il y avait Jay-Z ainsi que des membres de son entourage. Ils sont arrivés là-bas vers minuit. Et il y avait Lance qui était donc sur les lieux. Donc Jay-Z va vers lui. Et là, ça part en cacahuète, ça part en coup de couteau. Lance en a reçu deux, un à l'épaule et un à l'abdomen. La lame faisait à peu près une vingtaine de centimètres, donc il a été conduit à l'hôpital. Dans la foulée, il y a aussi le frère de Lance qui s'est pris un coup de bouteille sur la tête. Jay-Z a quitté les lieux avant que la police arrive. Mais l'affaire a tellement pris de l'ampleur que du coup, il s'est rendu de lui-même au commissariat le lendemain. Et la procédure judiciaire a duré 2 ans. Bon, dans un premier temps, il avait été libéré sous caution pour $500,000. Il disait qu'il était innocent, qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Mais on va quand même beaucoup en parler et lui faire comprendre que si jamais on arrive à prouver qu'il est vraiment coupable, il risque 15 ans de prison. Du coup, il va écouter ses avocats qui vont lui conseiller de plaider coupable, histoire de réduire la peine. C'est ce qu'il va faire et du coup, il va seulement écoper de 3 ans de mise à l'épreuve. Il a dû le dédommager d'un $500,000 et il avait déclaré en 2013 à Vanity Fair « J'ai mal agi et j'en ai payé le prix. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que d'où je venais, les bagarres, c'était tout le temps. Tu te pointais en boîte, tu te battais. Parfois, les bouteilles volaient. Parfois, ce sont les couteaux qui étaient sortis. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis retrouvée dans une situation identique à celle-là auparavant. Si à l'époque, j'avais encore cette mentalité, c'est à partir de là que je me suis dit que je n'étais plus la même personne. » Ce qui est bizarre, c'est que dans une interview que j'ai vue, Lance dit que c'est pas lui qui l'a poignardé. Was Jay-Z the one that actually stabbed you? No. Jay-Z was not the guy who actually stabbed me that night. Je comprends pas trop pourquoi il dirait le contraire des années plus tard alors que Jay-Z a avoué. Il y a des trucs bizarres quand même. Bon, alors, il semble avoir été touché par la grâce suite à ça, mais il y a quand même un autre petit incident qui est revenu, c'est que la même année, on l'a quand même vu aussi dans les couloirs s'attaquer à une jeune femme. Il lui prend la tête comme ça, alors c'est pas vraiment une gifle qui lui colle, mais en tout cas, la tête de la fille, elle vole, quoi. Et selon des gens de l'équipe de Jay-Z, non, mais c'était juste pour rigoler, c'est sorti du contexte, c'était juste comme ça. La vidéo, je vous la mets, là. Je vois pas comment interpréter ça autrement. Pour moi, ils sont pas du tout en train de blaguer. Enfin, en tout cas, vu la tête de Jay-Z, il a pas l'air du tout en mode « je rigole ». C'est un tout petit truc, mais que les gens n'ont
n'ont pas oublié ce côté agressif, plus toutes ces histoires-là dont on ne parle pas tellement, qu'on a tendance à avoir oublié. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, de ne pas les oublier. Ça donne quand même une certaine image du personnage. Bref, toujours dit que l'entourage de Jay-Z dit que non, mais en plus, c'est même pas une fan, c'est quelqu'un qui travaille avec lui. Bon, bref. Donc voilà un petit peu déjà les red flags qu'on a eu dans le passé sur Jay-Z. Par la suite, il y a quand même des personnes qui vont parler au cours des années, surtout là, de plus en plus depuis quelques temps, qui par exemple, bon bah le premier, un des premiers en tout cas qui a parlé sur Jay-Z, bah c'est le rappeur Nas. Bien que maintenant il soit en bon terme, ça n'a pas toujours été le cas. C'était une guéguerre entre rappeurs, c'était pas méchant, jusqu'à ce que ça prenne quand même certaines proportions. Et dans les lyrics, il y a quand même eu des choses assez croustillantes, on va dire, qu'ils ont pu échanger. Mais il n'y a pas que lui, il y a également Jaguar Wright. Je vous ai parlé d'elle, je vous ai mis des bouts d'interview d'elle dans la vidéo sur P.D.D. Cette femme balance beaucoup, beaucoup de choses. Tout comme le comédien Cat Williams. Et aussi notre très célèbre 50 Cent. Justement, les red flags du passé qu'on ressort maintenant. Le cas Foxy Brown. Foxy Brown, elle a intégré le rap, elle n'avait que 14 ans. Et celui qui l'a introduite dans ce milieu, c'est Jay-Z lui-même, alors âgée de 27 ans. Elle avait même déclaré qu'il lui avait pris sa virginité quand elle avait 15 ans et qu'il lui avait au passage refilé une MST. Elle disait aussi qu'il l'emmenait partout faire du shopping, lui faire ses cheveux, ses ongles, alors qu'elle allait encore au collège en parallèle. Tout ça pour s'attirer ses faveurs. Donc ça, c'est ce qu'elle déclarait à une certaine époque. Après, elle s'est rétractée. Elle est quand même connue pour être assez problématique, on va dire ça comme ça. Niveau santé mentale, ça n'a pas toujours été top. Donc, certains prennent ce prétexte pour dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle raconte, un quoi dit ça, un quoi dit non, en fait, c'est pas ça. Puis après, oui, finalement, on sait pas trop, mais les gens du milieu ont quand même à chaque fois pointé du doigt que, bah, si, Jay-Z et Foxy Brown, quand elle avait 14-15 ans, il y avait un truc entre eux. This was allegedly a romantical thing. It's all right, I'll say alleged, but we know, we know. Yeah, she hit it before Beyoncé. The same reason why he want to erase his history with Foxy Brown and giving her syphilis. Because they was underage when he did it. Nobody acknowledged what was going on between her and Mr. Carter. It's just so wild. Like, what is it going to take for people to get to see that this person literally discards people and tries to erase them like they never exist so he doesn't have to see them or deal with what he's done with people. Pour rappel, leur première collaboration à Jay-Z et Foxy, c'était pour la bande originale du film The Naughty Professor qui est sorti en 96, mais le morceau avait été enregistré 2 ans auparavant, donc quand elle avait bien 14-15 ans. Ensuite, l'album de Foxy Brown est sorti, elle avait 17 ans. Il y avait pas mal de morceaux qui avaient été coécrits avec Jay-Z, 5, et il est quand même important de souligner que cet album est très sexuel et assez graphique. Je vous invite vous-même à aller regarder les paroles de certaines chansons, mais voilà, faire chanter ça à une jeune fille mineure. Et comme je vous disais, plusieurs personnes ont ressorti cette relation du placard depuis un moment déjà en la pointant du doigt. Et donc Nas, dans l'un de ses morceaux qui s'appelle Ether, ou alors là, bon, ce qu'il raconte, je peux pas le dire. Sinon la vidéo saute, mais je vous invite à aller regarder la traduction des paroles de cette chanson. Vous verrez que c'est assez explicite, le nom de Foxy est cité. Et juste après, donc, il va y avoir la fameuse histoire avec Aaliyah. Pour rappel, R. Kelly, même si je pense pas que ça soit nécessaire, mais R. Kelly a donc plongé pour des choses assez sordides et immondes. Mais rappelons quand même qu'il fut un temps où la plus célèbre de ses victimes était Aaliyah, qu'il a épousée lorsqu'elle avait 15 ans, en faisant trafiquer les papiers pour faire croire qu'elle en avait 18, non, elle en avait 15. Et tout ça sous le regard complice, du coup, de pas mal de personnes de l'entourage de R. Kelly. On peut pas dire qu'il ne savait pas. I'm going to expose somebody that we all forget about. Y'all see this picture of Jay, Jay-Z with Aaliyah when she was underage? Y'all forgot about Jay, huh? We only know about Damon Dash messing with Aaliyah and R. Kelly. Y'all remember Foxy Brown and Jay? Ain't no woman like the one I got. No one could love you better. Donc nous sommes en 2001, nous perdons donc notre très cher aimé Aaliyah. Damon Dash, son petit ami officiel de l'époque, est dévasté
Et qu'est-ce qui se passe 5 mois après? Son partenaire et également donc son ami Jay-Z annonce la sortie d'un nouvel album et d'une tournée The Best of Both Worlds avec R. Kelly. Alors comment vous dire que là Dash l'a très mal pris. Il l'a même dit hein, à plusieurs reprises dans des interviews comment ça tu sais ce qu'il a fait à ma copine quand elle était mineure et tu sors un album avec lui, tu vas faire une tournée avec lui quelques mois après sa mort, enfin non quoi. I got a girl that your man. It's crazy. Right? Yeah. And you going and I tell you when you like you going to still work with him, what you going to feel? Get with that nigga that raped my girl that he liked as well, right? Right. And then went on a tour with him. Déjà, ça commençait à aller un petit peu mal entre les deux hommes. Commençait à plus trop être sur la même longueur d'onde. Et à ce qui paraît justement, l'histoire à Lia, ça a un peu été le coup de grâce dans leur amitié parce que Jay-Z avait des vues, d'après Dash, hein, sur Aaliyah, et ce depuis un moment. Tout le monde la voulait, hein, elle avait du succès. Tout le monde n'avait pas ses chances avec elle. On pouvait vite être friendzoné. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé donc avec Jay-Z. Et elle a donc préféré son pote slash partenaire, Damon Dash. Et ça, apparemment, Jay-Z l'avait très très mal pris. Everybody was getting Aaliyah, bro. Right. Was he bitter? Obviously. He was sending flowers and doing all that nigga. He was courting her. Il est allé se consoler dans les bras de Beyoncé et Damon Dash a donc eu la fille. Ça n'aurait pas plu à Jay-Z. Ça, plus encore d'autres petites histoires au niveau de leur entente, leur façon de voir l'avenir avec leur label. Voilà, ça a été la goutte d'eau, donc ils ont fini par ne plus être partenaires quelques temps après. Je vous ai fait toute une vidéo sur l'affaire Aaliyah. Je vous raconte tout sur son parcours et sur le fameux crash. La vidéo est là-haut. Bon, là en soi, il s'est rien passé avec Jay-Z. Aaliyah, quand elle était en couple avec Damon Dash, elle était majeure. Là, tout ce qu'on pointe du doigt, c'est le fait qu'il était au courant des agissements de R. Kelly avec des mineurs, avec Aaliyah, et ça l'a pas empêché de travailler avec R. Kelly même après le décès d'Aaliyah. Bon, bah de toute façon en 2005 il va y avoir encore une autre jeune femme qu'on va aussi remettre dans la lumière là depuis quelques temps. Il s'agit de Tiara Marie, j'espère que je prononce bien. Alors elle est apparue en 2005, signée par Jay-Z chez Rockefeller, et on a pu entendre son titre Make Her Feel Good. Et cette jeune fille, elle avait 17 ans quand Jay-Z l'a découverte. Beaucoup de rumeurs également sur le fait qu'il ait eu une histoire avec cette jeune fille. Il était déjà avec Beyoncé, hein, officiellement. Mais à ce qui paraît, ça a été pendant une période où il avait rompu avec Beyoncé. Ils ont rompu, je crois, pendant un an. Il y a eu un an de break entre eux. Et il me semble que c'est à cette époque-là qu'il est sorti avec cette jeune fille, mais c'était en sous-marin. C'était pas officiel. Mais des gens du milieu disent que, bah, si, il était avec elle, quoi. Mais toujours est-il que cette jeune fille, donc, elle a 17 ans quand elle sort son deuxième single, No Dali. Et puis, plus rien. Alors, cette histoire, elle est quand même assez extraordinaire parce que on a interviewé cette jeune femme des années plus tard pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes passé où en fait. Et elle répond, je vais être totalement honnête, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je venais de recevoir un appel à l'improviste parce que j'avais perdu ma deuxième avance pour enregistrer mon deuxième album. Donc ce jour-là, on m'appelle, il me dit simplement, nous allons te laisser partir en fait, t'es jeune, on pense que tu pourras avoir une carrière prospère sans nous, donc ciao, bisous, au revoir. On m'a jeté à la porte, c'est comme ça que je vois les choses, parce que nous étions tous censés être comme une famille proche. J'ai appelé Jay-Z, que je considérais comme un deuxième père pour moi. J'ai donc été expulsée. C'était déchirant. Nous vivons et nous apprenons, mais en étant si jeune et inexpérimentée, je ne savais pas. Alors j'ai pris ça assez mal. Je pensais que nous étions sur le point de prendre la route pour le deuxième album, parce que j'avais déjà obtenu mon avance. Ça m'a démolie et ça a détruit toute confiance que j'avais en moi. J'ai dû repartir de zéro. Jay-Z, par la suite, a déclaré que l'album, quand il est sorti, ça n'avait pas fait des ventes de dingue. C'est pour ça qu'il n'a pas continué avec elle. Si vraiment il avait estimé que c'était pas rentable du tout ce qu'elle avait fait, pourquoi lui avoir réclamé un deuxième album et avoir versé une première avance? Donc Jay-Z, tu dis quoi? Il est compréhensible qu'elle soit contrariée, mais il faut aussi voir les choses de mon point de vue. J'ai donné à Tiara Marie la même opportunité que celle que j'ai donnée à Rihanna. Parfois ça marche et parfois non. Beyoncé helped you see a potential in the artist that you signed. Who was that? I signed Rihanna, and we had a showcase
And at the showcase, there were two artists performing. Her name is Tierra Marie, and she's a really sweet girl. And the truth is, I was paying a little more attention to her than I was to Rihanna. After the showcase, you know, Beyonce just gave me one of those looks, and he said, that Rihanna girl, she's a beast. And she looked away, right? And I was like, so I did a Rihanna double take, you know. But it wasn't as though I didn't believe in Rihanna. I love that girl, right? But I paid a little more attention when Beyonce said that to me. Yeah. Yeah. Cette pauvre Tiara, elle a été blacklistée des labels. Personne n'a voulu la signer. Et qu'est-ce qu'il se dit donc dans les couloirs? Bah que c'est Jay-Z en fait qui avait appelé les autres labels en leur disant de ne pas la signer. Pourquoi? Mystère. Apparemment, c'est une pratique qui se fait. R. Kelly avait un petit peu aussi le même procédé, à savoir prendre des jeunes filles qui veulent simplement réaliser leurs rêves. Elles tombent sur ces types-là qui profitent d'elles. Elles sont jeunes. Elles sont encore au collège pour la plupart, collège, lycée, donc elles sont très malléables. On en fait ce qu'on veut, on leur promet monts et merveilles, elles tombent dans le panneau, on fait des choses avec elles, comprenez? Et une fois qu'on s'est lassé ou qu'elle ne rapporte pas ce qu'on voudrait, on la fiche dehors et au revoir, merci, c'est tout. Voilà, c'est un milieu dégueulasse pour les femmes. Pas mal d'artistes, hein, de toute façon, en ont parlé. Mais alors, Jaguar White nous a fait aussi un portrait des femmes dans le rap, dans le hip-hop, qui fait froid dans le dos. Est-ce que ça nous étonne? Non, clairement non. Voilà donc un petit peu tout ce qui se dit dans les couloirs par rapport à cette histoire avec Tiara. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on va aussi parler de Beyoncé. Donc, Beyoncé en effet. Alors, c'est un petit peu confus tout ça, parce que tout le monde pointe du doigt maintenant, surtout maintenant, qu'elle est quand même un sacré cardage quand Beyoncé est sortie avec Jay-Z. Officiellement, ils sont sortis ensemble quand elle avait 19 ans, il y en avait 31. Selon Beyoncé, une interview qu'elle a donnée au magazine Seventeen en 2008, elle avait déclaré « J'avais 18 ans lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, 19 ans lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. » Donc, leur première rencontre, on estime que c'était entre fin 99, début 2000. Mais dans une interview que Jay-Z avait donnée en 2007, il avait déclaré qu'il avait rencontré Beyoncé 10 ans auparavant, soit en 97, donc quand elle était mineure. Est-ce que Beyoncé a rattrapé le coup dans une interview un an plus tard en disant « Ah non, mais en fait, c'était plus tard parce que du coup, quand on est sortis ensemble, j'avais 19 ans. 19 ans, ça choque moins que 18, ça choque encore moins que 17 parce qu'on est majeur. » Bref, beaucoup relèvent quand même que, mais en fait, on s'en fiche quoi, 17 ou 19, et voilà quand même l'écart d'âge qu'il y a, ça donne quand même un aperçu des goûts du type quoi, enfin, la fille, elle est à peine majeure, donc bref. À cette époque-là, ça choquait moins qu'aujourd'hui, mais ça revient quand même, voilà, pareil, Beyoncé n'y a pas échappé, hein. Tout le monde relève également ce grand écart d'âge. Ensuite, ça continue. Là, en 2023, il y a eu un homme qui a 30 ans, et c'est pas nouveau cette histoire, il est en bataille juridique avec Jay-Z depuis une dizaine d'années, parce qu'il veut qu'il fasse un test de paternité pour prouver qu'il est son père. Il s'appelle Rimir Satterthwaite. C'est dur à dire, j'espère que je l'ai bien dit. Il veut forcer Jay-Z donc à faire un test ADN. C'est quoi l'histoire avec ce type-là? Alors, sa mère, Wanda, elle aurait eu une relation intermittente avec Jay-Z et également un ami du lycée. Et elle aurait eu des rapports avec Jay-Z à l'automne 92, alors qu'elle n'avait que 16 ans et Jay-Z 22. Et c'était avant qu'il soit archi connu, quoi. Donc, le petit naît en juillet 93. L'histoire d'amour se termine. Enfin, la brève romance, quoi. Elle a d'ailleurs pas mis le nom de Jay-Z sur le certificat de naissance, mais le nom de l'autre petit copain, Robert Graves, qui était là hein, lors de l'accouchement. Mais c'est plusieurs années plus tard qu'elle a avoué à son fils que c'était pas lui son vrai père. Il a fait un test de paternité, ce fameux Robert, en 2010. Et ce test a prouvé qu'il était effectivement pas le père de Rimir. Donc en 2011, la marraine de Rimir, Lily Collet, elle aurait approché l'équipe juridique de Jay-Z en demandant qu'il fasse un test de paternité. Donc là, c'était dans le New Jersey, où ils étaient basés à l'époque. Sauf que les avocats de Jay-Z ont fait valoir avec succès qu'ils ne possédaient aucune propriété dans la région du New Jersey. Et donc, ils ont demandé à ce que la requête soit rejetée. Bon, le gamin est revenu à la charge en 2015, 2017 et 2022. Toutes ont été rejetées. C'est ballot quand même. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en 2015,
Jay-Z, il a voulu payer ce garçon. Il lui a offert une grosse somme d'argent et Rémira a refusé. Il a déclaré « Il n'a jamais été question d'argent pour moi. Tout ce que je voulais, c'était voir qui était mon père et honnêtement, j'ai mon propre argent. J'ai deux emplois, je m'occupe de mes affaires. Je veux juste vivre ma vie. » Et que quand tout sera dit et fait, j'espère que Jay-Z voudra faire partie de ma vie si telle est la volonté de Dieu. On peut quand même se dire, mais vas-y, c'est bon, Jay-Z, fais-le le test, quoi. Ce gars-là, ça fait des années qu'il lâche pas l'affaire. Bah, en fait, non, parce que s'il fait le test et que c'est vrai qu'il est vraiment son père, bah, ça veut dire quoi? Bah, qu'il a eu un enfant avec une mineure. Elle avait 16 ans, lui, 22, et ça fait tache dans le décor, donc non. Par contre, il y en a une autre qui, alors elle n'est pas reconnue officiellement comme la fille de Jay-Z. Elle a 34 ans maintenant et elle est revenue dans la lumière en 2020 parce que marre d'être cachée. Alors à cette époque-là, elle avait 30 ans et elle avait déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle était la fille illégitime de Jay-Z, qu'elle était restée dans le noir, dans l'ombre toutes ces années, qu'elle en avait marre. Et elle raconte son histoire. Donc elle est née en 90, elle est originaire du Maryland et sa mère Lisa aurait été présentée à Jay-Z par sa sœur à elle. Et c'est de là qu'ils auraient entamé une liaison peu de temps après. Et on a justement la sœur de Lisa, donc la tante, qui déclare « Je connais l'histoire du début à la fin. J'ai branché ta mère et ton père il y a des années. Je me souviens quand Lisa est venue chez moi sur Bradley Avenue à Cambridge et que nous avons appelé Rockefeller. Nous avons essayé de contacter Jay-Z pour lui parler de Tisha et les mots exacts de l'homme étaient « Savez-vous combien de femmes appellent ici tous les jours en disant que Jay-Z est le père de leur bébé ?» Face à ça, les deux femmes n'ont plus rappelé. Et donc voilà ce que cette fille de Jay-Z déclare également. « Je veux vous raconter l'histoire de ma vie dans une ville où tout le monde savait qu'il était mon père. » En grandissant, j'ai vu la sclérose en plaques faire des ravages sur ma mère. Elle était alitée 24 heures sur 24, mais j'ai pris sur moi en élevant 4 enfants, dont une paire de jumeaux, tout en allant à l'école à temps plein, en prenant 2 jobs, un à la prison et un à l'hôpital. Alors apparemment, elle vit dans un quartier pauvre de Cambridge, dans le Maryland, dans une maison acheté par Jay-Z, apparemment. Ce serait également lui qui paierait ses factures, mais la condition, c'est qu'elle ne mette pas de photos de lui chez elle. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour les enfants illégitimes de Jay-Z. Tout ça pour dire qu'il est souvent mentionné le fait que Jay-Z soit entouré, était entouré de jeunes filles mineures. R. Kelly pointed out to me is that like, just look at how hard they coming down on me with all the shit that go on in the industry and look at how they never said nothing about how when Jay-Z was messing with Foxy Brown, she was 15. You know, everybody knew that, but nobody ever bashed him about it like they bashed me over Aaliyah. Didi est en train de tomber, clairement. Je ne sais pas ce qu'on va trouver sur lui, mais ça sent très mauvais. Depuis que c'est chaud pour Didi, il a pris ses distances avec lui, alors que fut un temps, ils étaient encore très potes, plus trop maintenant. Voilà, encore une fois, ces écarts d'âge-là, dans les années 90, on n'y prêtait pas attention. Depuis quelques années, on se réveille quand même là-dessus, on est plus éduqués, on se dit, mais en fait, ouais, il y avait un gros blème, les gens, quoi. Et surtout, encore une fois, depuis que R. Kelly est tombé, ça, je dirais pas que ça fait un effet domino, parce que les procédures prennent du temps, pour aller fouiller tout ça, ça prend du temps, mais c'est connu. Enfin, pour ceux qui sont vraiment très branchés culture hip-hop, tout ça, je suis sûre que je vous ai rien appris. Toutes ces rumeurs-là, ça fait des années que ça circule, et à un moment donné, on arrive à la fin du bal, faut peut-être payer les musiciens, comme on dit, donc est-ce que Jay-Z, y a des trucs sombres? À ce qui paraît, oui. Il serait similaire à Didi et à R. Kelly, voire même pire, selon certains. Sean Carter is worse. He's smarter. He's patient. He's not sloppy. I think the PPD trial has the potential to force Sean Combs to finally be honest about some things that he hasn't been honest about, which could create great leverage for knocking that big lip camel face back into the oblivion. In the depths of hell where he fucking came from. Petite pensée pour 50 Cent qui a fait des posts, il rate pas une celui-là. Bah juste après hein, les poursuites de Didi, hein, il a montré justement qu'il y aurait genre un nouveau documentaire bientôt sur P. Didi. Puis cette photo là d'un pack de lait avec la photo de Jay-Z missing. Quelqu'un a vu Jay
Puff a dit que le ninja ne répondait pas au téléphone. Donc voilà, j'espère vous avoir assez éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à aller approfondir vous-même si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à mercredi prochain pour l'actu du mois. Mouah. Bisous, ciao.